Attention à la belette pour Dandy 33 qui t'appelle. Et 73 la station, là je suis pas loin de la sortie 26, là sur Bordeaux. Là je t'entends assez QRP là de mon côté là. Ah zut, on dirait que ça passe plus. Hein. Bon ben la bonne journée à toi. Alors ceux qui veulent aller du côté du pont d'Aquitaine, c'est une très mauvaise idée et je suis en plein dedans. Et 73-51, les stations en fréquence de la part de Dandy 33 du plus haut du pont d'Aquitaine. Et côté circulation, c'est la cata, ça bouche de tous les côtés, enfin de tous les côtés dans le sens nord-sud. Bah, on prend son mal en patience, Hachi, on profite du paysage. Les 73 retournaient à tout le monde car il y en a eu plusieurs qui ont répondu en même temps. Oui, la station dans le sens de la descente, là c'est la cata. Hein. Et ben c'est pas compliqué, tous les véhicules qui sont sur la voie de droite, ils sont tous à l'arrêt. Hein. Et je voyais tout à l'heure, là en arrivant à la sortie 26, là j'arrive du côté de Libourne. En arrivant sur la sortie 26, ça a marqué 45 minutes pour aller jusqu'à l'aéroport. Attends, j'ai eu un passage de QRM, là j'ai pas compris. Oh, il y a des endroits, c'est en chantier, hein. Tout n'est pas mis en 2x3, en 3 voies. Hein. Bah ouais, il y a des parties c'est encore en chantier, d'autres parties c'est pas encore fait. C'est bah de toute façon Bordeaux maintenant est devenu l'une des villes les plus bouchées. Alors comme ça c'est réglé. Ah tiens, déjà je vois le panneau là quand on arrive en bas du pont d'Aquitaine. À 550 mètres, on doit tous se mettre sur deux voies. Voilà pourquoi ça bouchonne comme ça là déjà. Enfin bon, de toute façon, c'est comme ça tous les matins. Hachi! Ouais, je suis sur la rocade côté nord, pas loin du lac. Avec le chantier, de toute façon, on est en 2x2 voies. Et c'est complètement bouché de ce côté-ci. Ah ouais, d'accord. Hein. A plus tard. Eh, bah, pas faire comme à Paris, d'abord, faire une route là, qui tourne sur les côtés, tous ceux qui vont en Espagne et tout le bordel, là, Toulouse, là, pour passer sur Bordeaux et puis c'est doux. Bah, ouais, il y a un tracé de prévu. Hein. Mais pourquoi? Là, je sais pas, c'est mon chef qui m'a dit ça, et ça sortirait, ben, ça passerait dans le derrière de Libourne, tout ça, là, pour rejoindre
Là, 62 et là, 63, après. Ah ben oui, c'est pas un mal, comme ça au moins déjà tous les camions, ils ont rien à foutre là déjà. Là, tous ceux qui vont sur Toulouse ou descendent sur l'Espagne, t'es obligé de passer sur la roquette alors. C'est pas de la bordelle là. Ah ouais. Nous on est à la 7, que bon film. Ah ben j'en suis pas loin, je vois le panneau sortie 7. Ah ben, on va dire avec ton P5. On doit être derrière, parce que nous on arrive à la 7 là. Bon ouais, ben moi je vais m'arrêter à Mérignac. Oui, prendre pas de l'autre côté, mais encore plus que de ce côté-là. Alors faut que d'un côté ou d'un autre. Ben ouais ouais on est pareil, mais ce matin moi je suis passé par l'autre côté parce que le pont d'Aquitaine était fermé. Ouais. Et comme nous ils veulent pas nous faire charger le soir, ben tu vois maintenant après tu tombes dans la merde. Ben voilà, et puis après si t'as un gros programme, ben tu peux pas tout faire. Non mais de toute façon ça faut pas et puis c'est tout. Ce matin, je l'ai pas vu, c'est pas si fait. Bon, ben il part pas de bonne heure, lui. Oh, bah c'est d'un temps, il a peut-être pour plus tard. Quand t'arrives vers la 10, après ça décanille un peu plus vite, mais là... Ouais, 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 mais... Ce tronçon, là, puis t'es pas, tout le monde vient arriver à travailler ici, là. Ah, je sais pas où ils vont travailler, mais putain, je sais pas à quelle heure ils embauchent. Et là, à 9h, c'est le bordel, et à 3h30, c'est le bordel. Alors, ils doivent pas faire beaucoup d'heures. Hein. Non, non, et puis, où de ce côté-là, puis on t'a à l'aéroport, en plus. Oui.
Bellette, c'est un appelette pour Dundee 33 qui t'appelle depuis la rocade. Attention, coquillette pour Dundee 33 qui t'appelle. Ah, je l'ai pas entendu. Les 73, la part de Dundee 33 du côté de la sortie 7. Peut-être lui qui est sur le 16, je sais pas. Moi j'ai très rapidement dit pour faire un point à moi là, vous êtes avec le ministre Une semaine, si, quand je suis tout seul, voilà, quand je suis tout seul, là, tout va bien, mais un point de 4. Il est 10h40 et de la propague. Ouais, l'Italie qui passe.
d'accord, merci. À tout à l'heure. À tout. Vous voyez ce qui donne l'impression qu'il n'y a personne parfois là-dessus. Ben là, là, vous voyez clairement que c'est des stations qui restent là. Voilà, ils sont toute la journée sur leur canal habituel. C'est, pour eux, la CB, c'est un radiotéléphone, ni plus ni moins. C'est là qu'on dit à chacun son utilisation. C'est un coquillette pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention, papillon ou la belette pour Dundee 33 qui vous appelle. J'ai entendu quelque chose dans le lointain, là c'était un CQRP là de mon côté, les 73-51 à la station de la part de Dundee 33 sur la roquette de Bordeaux, pas loin de Mérignac, en direction du pont d'Aquitaine. J'ai entendu le monde derrière, la S73 des stations de la part de Dundee 33 depuis la sortie Bruges, la 6 sur la rocade de Bordeaux. Station qui a lancé appel la sur le canal 19 et 73 de la part de Dundee 33 sur la rocade de Bordeaux entre la sortie 6 et direction pour l'Aquitaine. Attention à la belette pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention, Dundee 33 pour Phantom 2. Oui, il est 73-51 à la station. Là, je suis à la hauteur là, de la sortie zone de fret Bruges sur la rocade de Bordeaux. En direction du pont d'Aquitaine, en push. Oui, 73 Dundee Phantom 2. Là, je suis au niveau de la désignation du Taillant. De te copier, je suis assez souvent tes vidéos là sur YouTube et puis je me disais un jour il va falloir que je communique avec lui, donc là je suis assez content de ça. Ah bah oui, et puis en plus, là, ça tombe bien, si tu es d'accord, là, je suis en train de faire une petite vidéo, là, justement, là, actuellement, là. Donc là, tu pourras voir ce que ça donne. Et ça passe bien, de mon côté, là. Là, c'est une bonne radio, là, bien propre. Bon, c'est pas très fort, parce que moi, il y a un petit peu de distance, quand même. Mais ça marche vraiment bien, je t'entends bien. Sur le 27 mégahertz et il y a
Ok, voilà, voilà, je suis à la hauteur de la sortie de Tasta, le lac. Et là, je suis en plein dans la zone de travaux avec les QRM et tout. Là, c'est un petit peu dur là, pour te sortir, mais j'ai quand même tout compris sur ce que tu m'as dit. Hein. Bah, comme quoi, tu vois, il y a quand même du monde hein, sur la CB. Ah, je suis trois coups. Bah, ben, c'est bien sympa, justement, de pouvoir attraper là, comme ça là, du monde qui suit comme ça là, sur Internet. Là, ça fait bien plaisir. Ok, ouais, je suis en direction du pont. Je viens de passer les stations essence, les stations Total. Voilà, je suis en direction du pont d'Aquitaine. Ouais, pour rentrer au QRA du côté de Saint-Émilion, question la bataille là, par là-bas. De mon côté, le poste, et bien là, c'est toujours le CRT 7009 avec comme antenne la Wilson 5000 et un petit truc entre qui permet de pousser un peu. Quoi. Là, je suis en plein noyé dans les QRM là sur le secteur. Au secours. Là, du coup, j'ai pas du tout eu Roger de ce que tu m'as dit. Mais c'est pas grave. Là, je vais bientôt attaquer. Allez, on va dire. Ouais, bon, d'ici une petite minute, là, je vais pouvoir attaquer la montée du pont d'Aquitaine. Avec un peu de chance, ça ira mieux. Ah ben, en plus de ça, j'ai été moustaché là, par un mille-pattes là, que je viens de croiser. Voilà, là je suis dans la montée là, du pont d'Aquitaine. Donc là, si je t'ai complètement perdu là, sur la fin, là de ton côté, j'imagine que le signal va bientôt commencer à monter. Voilà, ça. Alors voilà, là j'arrive voilà, au premier portique. Hein. Voilà, le premier portique passé. Là, ça doit commencer à monter. Alors c'est ce que je fais là assez souvent, c'est une fois rendu, voilà là, j'arrive au deuxième portique, une fois rendu en haut du pont d'Aquitaine, bien souvent j'envoie les bons empresses 51 à tout le monde avec un état de circulation. Voilà, troisième portique, ok, je suis bientôt rendu là au sommet du pont d'Aquitaine. Alors là, je t'ai complètement perdu. Voilà, à moins que tu relâches le micro. Ok, voilà, je suis au sommet du pont. Les bonnes sur 1351 à toutes les stations fréquences qu'il y a sur le canal 19 de la part de Dundee 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et côté circulation, eh ben, là maintenant, par rapport à tout à l'heure, c'est tout cuir dans les deux sens. Voilà, je suis là à descendre du pont d'Aquitaine d'un côté d'Armont. Là, ça passe plus de mon côté. Ouais, j'ai remarqué ça depuis de nombreuses années. À chaque fois, dès qu'on a passé le pont d'Aquitaine, là, dans le virage là, de Lormont, là, il y a une zone là où c'est assez moyen pour entendre quoi que ce soit. Quoi. Thank you.
across a dog in a place. Is it off?